السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لابورس ماروكان. إن شاء الله غادي نديرو إن فيديو ديال التحليل التقني ديال أليونس، اللي هي الشركة العقارية اللي مدرجة بلو سامبول أدي إي. دونك نزول عند الرغبة ديال بعض الإخوان والمتتبعين ديال القناة، أنا غادي نديرو اليوم هاد الأناليز هادي ونشوفو. مغاديش نطولو فيها بزاف، غادي نديرو قصيرة شوية، نهضروا شويه سيرتو في الكور تاعهم ونشوفوا واش كاينين ان ديفلوبمون، شنو هما لي شوز لي يقدروا يبانوا لينا تكنيكمون بالاناليز تكنيك. اوكي، دونك ما غاديش كما دي كوم ديز لي زونغلوفون ويل دو ات ان كيپ ات سيمبل. اون فا ريغاردي ان بو كيس كي اوف لاكسيون اكطويلمون، بي كومون ديغيج شنو هما لي زوبسيون اللي عندنا، واش كاين شي حاجه او لا، واش باقي فيها شي حاجه كيف قال واحد الاخ او لا. اوكي، دونك غادي نمشي نشوفو ان بو في في المانتلي، اي غادي نسوتيو الويكلي، ما نمشوش الويكلي، غادي نديرو غير المانتلي. اي غادي نشوفو واحد ان شوز تري امبورطون هنايا اللي بغي نوريكم، هي هاد اوكي. دونك ça fait longtemps ou plusieurs années d'abord où cette semaine qui est depuis d'abord تقريبا شهر 3 2020 حتى هذه دابا تقريبا شهر 9، يعني عام ونص. وحنا دابا كيف يسمبلو بحال واحد سكون ابل ان تريونغل اسوندون. اوكي، يعني لا لين الفوق ديالو هي هذه في 46 ا بو بري، اي لا لين تحت ديالو اللي هي طالعة غادي تطلع، بدات من شهر 4 2020 وتوشيناها بليزيور فوا في شهر 8 2020، شهر 9 2020، شهر 4 2021 وشهر 5 2021. دونك هاد لا لين هادي لي كونفيرمي، حنا نهضرو دابا في المانتلي. دونك هاد لو باترن هذا سي ان باترن جينيرالمون الى جا سي ان باترن généralement il a déjà fait une tendance baissière بحال هكا، فاست ان باترن كوم اون دي دو شانجمون دو توندونس، لا فان دين توندونس سي ان باترن دو ترانزيسيون كوم اون دي. دونك لا فان دين توندونس ان ترانزيسيون او ان تمبوريزاسيون ا جينيرالمون في كو هاد لا كونفيغوراسيون لي كاينه سا انديك ان شانجمون دو توندونس اي ان نوفيل توندونس اوسيار qui va commencer à l'heure de le patron. Je vous en ai un petit sketch. Donc, une tendance baissière jette un pattern comme ça, qu'on appelle un triangle ascendant. J'ai fait la fin d'une longue tendance baissière. C'est un pattern de transition, comme j'ai dit, qui indique un changement de tendance probablement pour aller plus haut, probablement. Ça c'est la théorie les configurations graphiques pour l'analyse technique. Comment on calcule le premier mouvement d'Alada? Première des choses, on fait d'abord on calcule combien la base d'Alou celle l'euro d'Alou. Ok, donc on a de la calculada et on a de la ligne les tracines et atteint l'objectif théorique d'elle le pattern. Donc on a le premier objectif théoriquement, c'est comme ça qu'on fait. Deuxième chose nous avons de la ok et qui est valide aussi, on a un retracement Fibonacci la jambe baissière li عندنا اللي كانت قبل حتى لا فان ديالها، ونديرو نديرو ce qu'on appelle notre retracement fibonacci. نشوفو هذاك لو باترن، هذاك لوبجيكتيف اللي عندنا فين غادي يجي. اوكي، واش غيجي جينيرالمون غيجي واش غيجي ديجون في هذاك الكالكول ولا داك لا ميزور العبار اللي عبرنا، واش غيجي عنده شي سينيفيكاسيون فيبوناتشي. هنا هذا سيت ان ديسان جوست تيوريك، هاد لا كوانسيدونس سي جوست ان كوانسيدونس، سي با فريمون فولو.
Mais c'est important de voir les niveaux Fibonacci, les mécanismes, le prix et le VM. On chauffe aussi, où serait coïncidé avec la mesure de l'abîme. Donc, dans ce cas-là, exemple, ça, donc ça nous donne ici le prix là, et qu'on probablement, c'est un prix, et qu'on a objectif réaliste, vu qu'on a 61,8% Fibonacci, et généralement le prix la retrace ça, et qu'on a l'égir ou qu'on fait. Okay? Donc, c'est la première façon. Deuxième façon, où il y a surtout ce qu'on appelle. Mais exactement à peu près la même chose, ça nous amène à dire. Donc, vraiment, on va faire juste ça de la façon à dire. Okay? Donc, Hada, le pattern Rising Triangle ou le triangle ascendant fait la fin d'une tendance baissière qui indique un changement de tendance pour aller monter en haut. La condition, on a la bâche de la et on change de tendance. Okay? Donc, la machine générale, le graphique d'Yana, là, on est en fin dans tendance baissière. Ok, on va chauffer le Knakbila. Et on a la zone à Dimina. On chauffe où est-ce que le niveau a une signification. Peut-être. Que signification. Ah, là, l'IA. Fibonacci. Ok. Ici, ça nous donne, on va le dire au vert, donc le on donne dire au côté right. Ok, on chauffe en genre. Donc, le niveau à deux, on chauffe, on est coïncide à 78,6%, les voit 70. C'est pas très très précis, mais c'est dans ce niveau-là où les voit exactement, mais à niveau d'elle, les voit nanaya. Le bas de la bougie, même avec le niveau ici, qui est ici comme un niveau important dans le passé. Okay? Donc théoriquement, il y a quand une belle cassure, à défilement, par exemple, le charada de la charte, il laisse 10 dinars fouk, le haut ici, filmant, je parle de la 46, on a un objectif, on a un chiot. Le niveau là-dedans, c'est à peu près 69, mais bien c'est aussi tel c'est bien. Ok, c'est le niveau là-dedans. Okay. C'est une zone de résistance, objectif réaliste basé sur l'analyse technique fondamentale. Je vais chauffer d'abord. Allez, je t'attends à réfléchir un petit peu. Est-ce que la configuration le K9 Alliance d'abord? Donc, بالنسبة لواحد اللي هو باغي يشري دابا ويقول اوكي لا بوس ماروكان هضرنا قلنا بان في هذاك عندنا داك لو باترن اون فا اكسكيوز جوست لو فار لا بون فاسون بي اون فا جوست زومي باش نشوفو كوم يلفو دونك هاد لو باترن عندنا هو هذا ايسي خرجنا منه في اول مرة هنايا ما سديناش فوقو شهر 6 2021 شهر هنايا سدينا فوقو 2 فوا 3 فوا و المره الرابعه عاود دخلنا ليه دونك مالغي بانه كان عندنا كوميم ان نيفو ريسبكتابل ديال الفوليوم مي كاين عندنا ان روتور على الانتيريور ديال هذاك لو باترن. Pourquoi? Il y a une raison. Moi, quand je trade des patterns comme ça, qu'est-ce qu'on va regarder? On regardera souvent ici ce qu'on appelle une accumulation. Ça veut dire que le prix, il est ici. Je m'excuse, je veux juste faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait de la bonne façon. On va le faire avec rouge. On a le prix JNA où il compte plusieurs accumulation, plusieurs fois il touchait le niveau ici avec un semblant, comme on dit, de les plus bas, des bas plus bas et des hauts proches de la ligne de résistance.
Et on va la tracer probablement comme ça. On va la faire d'une autre façon plus facile. Prendre un niveau déjà comme ça, comme ça. Oh, on va le refaire. On a le temps. Mais après ça, on a son blanc. Ok. Moi, ce que je veux dans un breakout, c'est ça. C'est que j'arrive ici, à la fin du triangle, qu'on a une accumulation, une compression, ce qu'on appelle un niveau de résistance, on touche plusieurs fois. Okay? Après ça, ce qu'on dit, le ressort va s'éclater ou qu'on a une force le plus fort. Il a une abhelle, il a dit de une accumulation, une compression, rapidement ici, le breakout. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'attendre qu'il y ait un deuxième breakout. Et la deuxième fois, le breakout se confère 48, ok? Non. Si on fait un breakout de la 48, et c'est sûrement, on va dire, on trouve le pattern de la là, il a le plus bas de la le triangle, ou donner la projection sur le futur, radiatina, hena, had un niveau de la cytostine, ok? Donc, la première des choses, donc on fait une breakout ici, une cassure vers le haut de 48, probablement première des choses, l'objectif d'y en a à long terme. Okay? Quand je dis à long terme, c'est à moyen terme, disons, fait head daily. Deuxième chose aussi, il est a le prix radif à un niveau, le canal qui est très très pertinent bleu. Les webdina, men char comme ça. Charsta, puis toucher le bas dialogue deux fois, Mara Chartmania, ou deux fois, trois fois, Chartmania. Donc là, le prix, on va dire, la fois le canal, il est pertinent. On regarde ici les dernières journées, toucher le médian dialogue, médian dialogue, toucher plusieurs fois. Donc, un retour au dernier cassure, on a fait un chiou. Probablement, on va aller chercher ici. Ce que j'ai fait ici, c'est le. Excuse, on va aller chercher le haut le canal. Les ma théoriquement, facile comme ça. Les rois, un niveau déjà. Majeur. Les rois, qui ont le passé, qui ont une signification. Ok? Donc, selon le canal, ou le canal est peut-être un canal qui va être comme ça, on va zigzaguer l'objectif de 66-68. Donc, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, comment on peut calculer à obtenir avec l'objectif? En indiro, projection Fibonacci. On a donné le je ne vois même pas. Projection Fibonacci. On dit le point A, le point B, le point C de l'analyse. Et on a deux choses. Le premier point, la note 53 ou la 54, elle donne 100%. Tu vois, elle a une signification. Elle a un le niveau de résistance. Mais là, on cherche beaucoup plus. هذا لوبجيكتيف اللي عندنا الفوق واش عنده شي حاجه قريبه ليه من فيبوناتشي اللي كاين هنايا اون تروف كو هاد 1.618% اللي هو قريب 64 درهم 64 درهم اوكي دونك سا نو زامين في هذيك لا زون اللي كنا تنهضروا عليها قبيله ديال هاد 100% اللي ديال هاد البروجيكسيون اللي عندنا دونك هاد لا زون هادي نعملوها كوم سا اكسكيوزون Daily, c'est ça notre objectif. Une belle cassure ici.
On va trader pour aller chercher 66 dirhams. Ou le week monthly, on va mettre 60 à 72. Donc, on a plusieurs façons de regarder ici les choses. Soit qu'on regarde ça, qu'on va aller dans ce zone, cette jouer, comme on dit, le ping-pong sur le canal. C'est probable. Donc, il faut surveiller le prix, mais il était touché à des points des bras. Okay? Donc, pour le moment, nous, on va surveiller une cassure de 48 avec un bon volume. Vu qu'on n'a pas eu une accumulation, sinon, si on a une belle accumulation ici, la première cassure, on s'en va plus haut. Et comme on a dit, on va surveiller l'objectif de le pattern. Rising triangle, leaking flow bar, la fin d'une tendance baissière. Ok, donc il a comme ça. Fahna en de début d'une nouvelle phase pour le prix. En même temps, on a une trade à court terme. Donc, quand on va arriver à l'objectif d'un an, on va évaluer où est-ce qu'on le marché ou l'encrochement, dépendamment comment la réaction du prix par rapport à les niveaux à l'aide. Ok, donc c'est ça un petit peu une analyse vite, vite, quick insight, very short and sweet comme disent les Américains. Et j'espère qu'on a tâté un petit peu à un trade, les triangles ascendants, la fin d'une tendance. Ok, donc prenez soin de vous, merci beaucoup pour votre confiance, soyez prudents avec les trades. Et à la prochaine, inchallah, vidéo. Salam alaikum.